Rainer Toulenko a eu l'idée de faire ce livre. Mais vous savez, je suis plutôt connu au niveau de la course à pied, au niveau de la politique, mais pas du tout au niveau de la photo. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en courant tous les jours pratiquement depuis 36 ans autour du Lignon sur les magnifiques chemins pédestres que nous avons, en étant facteur au Lignon, à Châtelaine et à Vernier, et que je voyais tous les jours ce fabuleux Lignon, ça m'est quand même venu à l'idée de commencer à faire des photos. Et lorsque le numérique est arrivé, le moment était venu pour moi vraiment de dire maintenant tu peux faire des photos parce qu'on peut, celle qui n'est pas bonne, on peut tout simplement la supprimer, ce qui n'était pas le cas. Et puis, cette nature qui est tellement magnifique autour du Lignon m'a attiré. Et c'est comme ça, j'ai montré parfois des photos que j'avais faites à mes amis. Et tout le monde m'a dit, mais tu dois faire quelque chose. C'est pas normal que tu gardes ça pour toi tout seul. Et c'est comme ça, je commençais à me dire, alors faisons un livre. Dans ce livre, j'avais deux principes. Le premier principe était de ne pas montrer que le bâtiment du Lignon. Au contraire, je voulais tout d'abord montrer la nature, quand même avec un petit bout du bâtiment du Lignon. Mais vous savez, il n'y a aucune règle sans exception, donc vous trouverez dans le livre des photos sans les Lignon. Donc je suis tout simplement resté normal. Le contrat de quartier qui m'avait soutenu dans ce projet, et je le remercie vivement, surtout aussi Philippe Meissen, qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a aidé énormément pour la conception du livre. Et je ne cache pas, j'ai beaucoup investi du temps, mais aussi du bonheur pour faire ce livre. Et tout ça, j'ai fait bénévolement, gratuitement, parce que mon but, ce n'était pas commercial. Mon but était de vous offrir une magnifique, disons, cet environnement qui est magnifique autour du Lignon, que j'ai toujours appelé le Lignon Parc, et pas seulement le Lignon. Vous savez, dans notre vie, nous avons toujours besoin des autres. Ici, j'ai eu besoin des autres, et j'aimerais donc remercier encore une fois le contrat de quartier qui m'a soutenu, la commune de Vernier, via son conseil administratif, Pierre Ranger, que je remercie également pour ses gentilles paroles, et puis le service culturel sous la responsabilité de Madame Patricia Damour. Mais j'aimerais surtout aussi citer Canal 29, ici représenté par Bernard Boulon et le caméraman,
Car toutes les photos que vous voyez qui défilent ici, c'est mes photos, mais c'est Canal 29 qui a eu cette fabuleuse idée de faire ces DVD que je crois qui montrent encore mieux que le livre toute cette beauté qui nous entoure. Et j'aimerais citer un nom parmi tous les invités qui sont là, parce que je ne peux malheureusement pas tous vous citer, même si je vous aime tous de la même manière. J'aimerais dire à un homme un grand merci. Il m'a marqué ces 10 dernières années. C'était M. Gérard Deveau. C'était un président exceptionnel. Sa dignité, son humanisme et sa compréhension de la vie de M. et Mme Tout-le-Monde m'a impressionné. Et il a, en plus, fait quelque chose d'extraordinaire. Il m'a mis en relation avec des sponsors qui ont fait qu'aujourd'hui, ce livre peut être vendu à ce prix-là. Merci, Gérard. En parlant de sponsors, j'aimerais encore une fois vous dire, grâce à eux, aujourd'hui, ce livre peut être vendu 2 fois moins cher que le prix réel. Et puis, puisque je vous ai déjà dit, je n'avais pas envie de commercialiser ce livre, parce que je trouve cette beauté de la nature est une source de joie pour nous tous, et je voulais partager ça avec vous. Et je suis très content que ces sponsors nous ont aidés. Et j'aimerais les citer. Donc, le contrat de quartier, les régies Cogérim, Royer et Nef, Patrimoine et Sites, Comité central du Lignon, l'association locataire du Lignon, le fonds mécénat du SIG, la fondation René Cabloc et la fondation Wilstock. Mon dernier mot de remerciement va à ma famille. Ils m'ont encouragé de faire ce livre, mais ils m'ont aussi critiqué. Et c'est bien, parce que parfois, on n'a pas toujours l'idée qui est juste. Et vous savez, ils m'ont surtout écouté, parce que ce livre a été fait sur l'ordinateur, et vous connaissez les ordinateurs qui peuvent vous énerver quand ça ne joue pas. Donc, ils m'ont écouté quand j'étais peut-être fâché. Aujourd'hui, je dis merci, cher Eddy. Merci Christian, merci Richard, merci Gisela, merci Yasmina. À cette parole, je crois que maintenant la place est pour le verre de l'amitié. Et je vous garantis, je viendrai, mais vous avez vu la queue de tous celles et ceux qui veulent encore une signature de moi, de ma part. Je vous remercie encore une fois. Profitez et merci aussi à la commune et au contrat de quartier. Car sans vous, je n'aurais pas pu faire. Merci. Merci, écoute. Bravo. Mardi 13 novembre, ici dans le hall central du Lignon, un événement un peu spécial, c'est le vernissage du livre d'Ernest Greiner, « Le Lignon autour des saisons », qui retrace un petit peu tout son parcours. Comme il le dit lui-même, ça fait plus de 40 ans qu'il se promène dans tous les coins du Lignon. Il faisait de la course à pied, il s'entraînait, il était facteur. Et il est venu, pour lui, l'idée de photographier le Lignon sous tous ses angles et donc, par conséquent, de montrer un peu ce qui se passe aux différentes saisons. De là est l'idée d'un livre. Et ce livre, il fait l'objet d'un vernissage ce soir. Et vu l'affluence, je crois que ce livre va connaître un très bon succès. C'est parti, un tout bloqué. Ouais. Mais vous prenez, vous le conservez. Moi, quand je suis arrivé au Conseil d'État, en décembre 1981. Alors ici, je suis en compagnie de Madame Falquet. C'est la maman de Gabriel, que tout le monde connaît à Vernier, puisqu'elle était conseillère administrative et maire de Vernier. Madame Falquet, vous me disiez que vous étiez au Lignon depuis le 1er janvier 66, c'est cela ? 66, oui. Première habitante militante du Lignon. Eh bien, ça veut dire que quelque part, vous avez des souvenirs à l'appel. Ah oui, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup connu de gens très ouverts pour faire quelque chose. Hein, les premiers qui ont lancé la garderie, le Robinson, vous connaissez. Oui, bien sûr. On a lancé beaucoup, beaucoup de choses. Et puis là, on est arrivé. Quand je suis arrivée au Lignon,
on n'avait pas de route. C'était un chemin avec des pierres, encore il n'y avait pas d'électricité. Et puis, le soir, on pouvait s'asseoir sur un fauteuil, ouvrir les fenêtres, puis on entendait croasser les grenouilles dans le nord des crevates. C'est quand même assez extraordinaire. Et qu'est-ce que ça vous fait à vous de voir ces magnifiques photos d'Ernest Greiner qui sont exposées, et puis ce petit film ? Ah, ça me fait plaisir. Parce que je cherche toujours des photos pour des gens du Lignon où il y a un ensemble de photos pour des gens à qui j'ai beaucoup parlé du Lignon. Ce qui est surtout extraordinaire dans cette exposition et dans ce livre d'Ernest Greiner, c'est que il casse complètement cette image mauvaise que l'on donne du Lignon, cité dortoir, un bâtiment à n'en plus finir, alors qu'en réalité, pour les gens ici, habiter, c'est super. Pour les gens d'ici. Oui. Pour les gens d'ici, on aime le Lignon. Je ne sais pas comment dire, on admire encore, mais je trouve qu'il y a les gens qui ont une critique sur le Lignon, c'est toujours une critique constructive dans le sens qu'ils voudraient que quelque chose change. Alors ça, c'est intéressant. Je n'ai peut-être pas répondu à votre question. Non, mais je crois que c'est Ernest Greiner qui nous disait aussi que il avait été constaté qu'au fil du temps, les familles, les enfants grandissent, et il y en a beaucoup qui plus tard, souhaitent et reviennent habiter au Lignon parce qu'ils y ont eu du plaisir. Dans ma maison, il y a par exemple Madame Zanoun, elle habite au Lignon depuis le commencement. Elle a eu des jumeaux que j'ai vus naître, que j'ai eu à la garderie. Il y en a un qui est par ici ce soir, qui était formidable. Ils habitent les deux au Lignon, les deux dans ma montée. Ben, c'est formidable. Oui, ils aiment revenir, les gens aiment revenir. Il y a au Lignon, il y a tout. Et puis, personne ne peut nous prendre la vue. Par exemple, nous, on est maintenant dans la première allée du Lignon, au 54. Je vois Saint-Pierre. Je voyais le jet d'eau, maintenant les arbres le cachent un peu, ils ont grandi. Et puis, on voit les Alpes, tout. Pas de bruit. La régie a mis des fenêtres vraiment formidables. Okay. Vous êtes dans un océan de verdure. Voilà, et puis on dit un 4 étoiles. En tout cas, je vous remercie de votre témoignage, Mme Falquet, et puis je souhaite une bonne continuation. Merci à vous aussi. Hein, merci. À vous aussi. Christian Grebet, vous êtes au Conseil d'État depuis 81. Donc, en fait, quand le Lignon s'est construit, vous étiez député. Mais vous avez vécu tout ce début du Lignon avec les premiers projets de loi, etc., les plans de quartier. Vos souvenirs ? Écoutez, je pense que c'est un projet d'urbanisme assez extraordinaire parce qu'on voyait toute la verdure qui est autour, etc. Et en tout cas, toutes les personnes qui habitent ici au Lignon, ils veulent tous rester ici. Donc il faut croire que c'est vraiment une bonne réalisation. Ce qui est particulier, c'est que je crois que c'est le second immeuble qu'on pourrait dire un peu moderne, qui est inscrit au patrimoine, après la maison de Le Corbusier. Donc le Lignon est inscrit au patrimoine maintenant. Et ça veut dire que c'est une reconnaissance de sa qualité architecturale, mais peut-être aussi environnementale. Oui, je dis environnementale parce qu'on est à côté du Rhône, les forêts, etc. Mais j'aimerais simplement... je suis très heureux d'avoir Pas de souci, on coupe. C'est-à-dire que, comment elle s'appelle, la Piguet, Madame... Sabine, voilà, la Sabine. Direction du patrimoine oui, est ici. Oui, mais alors, elle a deux noms, la Piguet et Nemetch. Voilà. Alors, je vais reformuler ma question, comme ça on la coupe. Oui. C'est le second exemple d'architecture moderne après la maison de verre de Le Corbusier. Le Lignon est inscrit au patrimoine, dans le fond. Ça a été fait par, évidemment, une décision du Conseil d'État, mais sous l'égide de la direction du patrimoine et des sites. Oui, alors, effectivement, on a essayé de classer un certain nombre
de bâtiments qui sont de peut-être il y a 20 ou 30 ans. On est très content effectivement du bâtiment de Le Corbusier. De Corbusier. Mais là, c'est magnifique que Mme Piguet ait réussi à faire ce plan de site qui effectivement devrait maintenir le site, et ça c'est l'existence de ce plan, et j'espère qu'il sera respecté, et c'est extrêmement important de voir dans des cadres de ce genre de pouvoir protéger le plan de site que nous avions en 1975 pour pouvoir utiliser ça. Ça a été utilisé en divers endroits, et là c'était magnifique d'apprendre que ce plan de site a été adopté au Lignon. On ne va pas faire de la grande politique, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui une opération comme le Lignon serait encore possible à Genève? Alors ça, je pense que ça sera assez difficile parce qu'il y a tellement de choses et d'éléments, je crois que ça sera difficile. D'accord. En tout cas, moi je remercie les architectes Julliard, Boliguer, qui étaient des visionnaires d'avoir construit une œuvre pareille. C'est vrai, c'est exact. Il y avait des très très bons architectes et qui ont eu des très bonnes constructions, c'est vrai, à l'époque où j'en étais même. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, le dépôt des tramways à Lancy, qui est c'est un dépôt magnifique, et ça n'a pas coûté trop cher non plus. Et puis, c'est une architecture qui sort de l'ordinaire, donc quelque part, c'est vrai qu'on peut aussi faire de belles réalisations à Genève. Tout à fait. Merci, et il faudra continuer. Merci. Ernest, on termine maintenant ce vernissage de ce livre. Je crois que ça a été un grand succès. En tout cas, vu la population et vu les personnalités qui étaient présentes, c'est un succès. Oh, je suis très touché parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde qui venait. Mais je pense que tout le monde s'est dit, mais il n'y a peut-être pas assez de livres, donc je viens vite pour chercher encore un tant qu'il y en a. Il y en a encore, mais c'est vrai que ça touche quand autant de monde vient, parce qu'on connaît nos agendas qui sont tellement occupés, tellement chargés. Mais parfois, on trouve quand même du temps pour des amis, et je suis très content. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Tu n'as pas une crampe à la main à force de signer tous ces livres? J'ai pas une crampe, mais je regrette presque un peu de ne pas avoir eu le temps de parler avec tous mes amis qui étaient là, parce que voilà, j'ai dû signer. Non, je crois que quand on est coureur, le bras il bouge, il est toujours en mouvement, donc c'est pas un bras qui est endormi, donc il peut signer. Je peux encore signer plus. Donc tu seras encore là ces prochains jours, etc. Nous, en tout cas, on a vu que c'était un succès assez phénoménal, parce que la liste, la file d'attente était très importante. Et puis surtout, ce qui est important, c'était le nombre de personnalités qui sont venues, entre les conseillers municipaux, les administratifs, des amis de longue date. C'était pas mal. On a vu Mme Falquet qui nous a raconté qu'elle était là depuis le 1er janvier 1966. C'est assez formidable. Mais elle a 90 ans. Oui, mais je crois que ça prouve cet attachement à cette presqu'île du Lignon, moi que j'appelle d'ailleurs toujours le Lignon Parc, parce qu'on vit dans un parc. Et je pense que tous ces gens qui se sont donnés à cœur, qui ont donné tout le temps pour défendre ce Lignon, la qualité du Lignon, il me semble normal qu'ils viennent parce qu'ils sont attachés. Et quand on est attaché, on veut découvrir ce qu'il y a. Moi, personnellement, je dois dire, je suis assez surpris. Comme tout le monde m'a toujours dit, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Alors que cette nature était là avant que je commençais à faire des photos. Oui, et c'était dans une discussion une autre fois que tu nous avais raconté que vous aviez constaté qu'il y a des familles, il y a des enfants qui grandissent, qui s'en vont, et puis qui un jour reviennent habiter au Lignon parce qu'ils y ont eu du plaisir. Mais c'est ça, je crois que c'est la plus belle victoire d'une cité si les enfants veulent revenir habiter là où ils ont né, où ils ont grandi en tant que jeunes. Je crois que le Lignon est pour ça exemplaire. Il est exemplaire parce que, je le rappelle, nos enfants qui ont fait toute leur scolarité ici ne connaissaient pas le racisme entre les enfants. C'est plutôt entre adultes, il y a parfois le racisme, mais pas entre les enfants. Et c'est ça qui a fait une chose extraordinaire du Lignon,
Les enfants s'entendaient toujours bien. Et c'est pour ça, c'est une cité. Il n'y a pas de violence, il y a peut-être la saleté, je suis d'accord, c'est pas très propre, parce que les gens laissent tout tomber, parfois un peu plus les jeunes que les autres. Mais il n'y a pas de violence, et ça j'aimerais quand même relever. C'est la beauté du paysage, mais aussi la beauté de l'habitat, parce que un habitat sans violence, c'est un habitat qui est extraordinaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Christian Grebet, c'est que le Lignon, il y a non seulement une qualité architecturale qui est due aux architectes qui ont eu cette idée de le faire comme cela, mais aussi une qualité environnementale qui, d'ailleurs, transcende par tes photos. Bien sûr, mais je rappelle, ce Lignon existait depuis 45 ans, cet environnement existait. Il s'est certes un peu amélioré parce qu'artificiellement, on a planté les arbres, on a fait des choses. Mais pas tous, parce que ceux qui sont autour dans la forêt, ils étaient déjà là. Ils étaient là, mais la bise, de temps en temps, ramasse quelques-uns, oui, il les laisse tomber, puis tout. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a une chance ici. Et je suis très content, mais vous savez, cette idée de faire ce livre des 4-16 ans autour de Lignon, mais en somme, venu déjà très très longtemps en arrière, mais à l'époque on ne payait qu'un centime la photo. Vous avez fait une photo que vous avez loupée, alors je peux vous dire, ça coûtait cher. Bien sûr. Maintenant avec le numérique, c'est tellement simple. Alors on a entendu le conseiller administratif Pierre Ronget, il t'a donné presque une mission. Donc la prochaine étape, c'est les libellules ou les avanchets. Vous savez, je n'ai jamais pensé dans ma vie qu'un jour, je publierai un livre. Alors pour le moment, je digère, je peux peut-être le dire ce soir, le succès de ce premier livre. Et laissez-moi souffler. Il n'y a pas de souci. Parce qu'un retraité n'a pas 9 heures ou 8 heures par jour qu'il doit travailler. Pour moi, le travail que je fais aujourd'hui, c'est du plaisir. Et quand j'ai du plaisir, je le fais avec plaisir. Et si j'ai envie de faire autre chose, je le fais. Mais attention, le Lignon, je connais particulièrement bien. Je connais la lumière. Je connais tous les aspects qui sont nécessaires pour la photo. Si on me dit, va aux avant-chers, il faudra que j'étudie d'abord. Je connais Canal 29, où ils sont, mais il n'y a pas beaucoup de verdure autour du Canal 29. Quand même, malgré tout, le Lignon, les avant-chers, c'est construit sur une ancienne... comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai un blanc, c'est pas grave. Sur les théâtres, où il y avait le théâtre, non? Non, sur une gravière, non? Non, c'était les arbres, là, c'était... Ah, c'est un parc! Une pépinière. C'était une pépinière. Voilà, la pépinière. Les avant-chais se sont construits sur une ancienne pépinière, pépinière Bocard. Ouais. Et donc, par conséquent, il y avait quand même déjà quelques arbres qui ont pu être maintenus. Mais c'est vrai que quelque part, il y a quand même un peu moins de verdure. On est d'accord qu'ici, au Lignon. Et il y a aussi un autre endroit que tu connais bien, c'est les libellules. Parfaitement. Mais les libellules ne sont pas entourées par la verdure comme le Lignon. Je suis parfaitement d'accord. Mais faisons pas un match Federer-Djokovic ou bien Lignon-Avanchet. Non, c'est si pas ça. Si j'ose dire ça, je crois que chaque quartier a ses qualités et ses petits défauts. Laissons pour l'instant les choses comme elles sont. C'était une remarquable soirée pour ce vernissage. Et puis, on verra bien pour la suite. Merci Ernest. Merci aussi à vous parce que vous êtes des fidèles. Vous venez toujours quand il y a quelque chose, une manifestation, soit sportive. Et maintenant, vous avez découvert une autre facette. Attention, j'espère que je ne découvre pas encore d'autres chez moi. Ça viendra dur pour vous. Voilà, merci. Merci Bernard.